conçoit que le problème Rachni est un gros problème, mais... Ok. Ok. Bon, ça c'est fait. J'imagine que je vais enchaîner sur Féroce. Faire un petit tour d'équipage aussi, ça peut être sympa. Je dirais même que vu le point, non, je sais pas, une discussion qui va se lancer avec la carte. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur ? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Ah. Mais c'était sûr. Je les avais il y a deux secondes, quoi. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Toute aide sera bonne à prendre. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant. Mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Ok. Bon bah Virmir ça va attendre, il y a Féroce avant. Non, il y a le tour de l'équipage avant, en fait. Course contre la montre. Vous devez explorer Féroce, Noveria et Virmir afin de... Bah, je me doute, hein. Je me doute. Du coup, il n'y a pas un autre truc qui va se lancer? Non, bon. C'est bon, je peux faire mon petit tour. Oui, commandant? Comment avez-vous été affecté? Je me suis... Bien entendu, la seule... Reprenez le travail. Oui, chef. Oui. Bon, Joker, c'est toujours une connerie à raconter. Pas fâché d'avoir quitté Noveria, entre le froid et ces satanées corporations. Si vous ne mourrez pas congelé, c'est parce que ces rapaces vous ont déjà refroidi pour revendre vos organes. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Oui, commandant ? Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Okay. La seule porte qui ne s'ouvre pas automatiquement. Oui, commandant. Vous avez... Je dois y aller. Au revoir, commandant. Si vous venez me parler de la mort de Benetia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Oui, c'est vrai que c'est sa fille. Ne jouez pas à l'indifférente. C'était votre mère. Elle l'était... sans l'être. Je préfère me souvenir de Benetia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sovereign. Votre mère vous a transmis ses traits les plus nobles. Sa détermination, son intelligence, sa force. Merci pour ces paroles et pour votre sollicitude. Mais je vais bien. Benetia a choisi sa voie,
et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Nous pourrions peut-être... À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains. Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Le temps joue contre nous. Si une Asari peut vivre facilement 1000 ans, nous avons de la chance quand nous en atteignons 150. C'est vrai. D'ailleurs, au début, j'y voyais l'une des faiblesses de votre race. Mais après avoir passé du temps avec vous, je commence à penser que c'est un avantage. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Vous avez peur de nous ? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Je fais de mon mieux, Lyra. Si le Conseil vous a choisi pour devenir Spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce que vous avez fait pendant le raid. C'est une grande leçon de courage et d'héroïsme. Vous n'aviez pas besoin de faire ça en cachette. Je vous aurais dit ce que vous vouliez savoir. Je vous prie de m'excuser, commandant. Après notre dernière conversation, j'avais peur de sortir une autre énormité. Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Vous êtes certaine que c'est moi qui vous intéresse, ou ma vision des protéas ? Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est mué en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams. Williams et moi sommes juste amis, rien de plus. Alors, veuillez excuser mon erreur. Je ne suis pas douée pour décoder les signaux des relations humaines. Et entre nous, Shepard ? Existe-t-il une attirance mutuelle ? Ou me suis-je aussi trompée sur ce sujet ? Allez, on va faire comme tout le monde, on va draguer tout le monde. Non, vous avez raison. Il y a bien quelque chose entre nous. J'en étais sûre. Mais... cela ne vous semble pas étrange ? Comment se fait-il que je me sente aussi proche de vous ? Nous nous connaissons depuis peu. Nous appartenons à deux espèces différentes. Nous n'avons presque rien en commun. Cela n'a pas de sens. La raison n'a pas franchement son mot à dire là-dedans. Ça arrive, c'est tout, et on se fait emporter par la vague. Dit comme ça, cela semble si chaotique, si dangereux. Vous serez en sécurité avec moi. Je ne cherche pas une protection. Tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas l'habitude de... ce genre de choses, de vous... Il me faut un peu de temps. Prenez tout votre temps, Lyra. Je serai là. Merci, Shepard. Parlons d'autre chose, voulez-vous ? Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Il y a personne ici. Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. C'est une évaluation officielle, commandant, ou ça restera entre nous ? Alenko, ce que vous me dites en privé, ça reste entre nous. Merci, commandant. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. Saren est prêt à tout pour localiser un mystérieux relais cosmodésique, et le Conseil s'en lave les mains ? Moi, je trouve ça étrange. Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo.
Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident ? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro, sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment ? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez mieux à faire que de m'écouter radoter. Alenko, aucune loi ne vous interdit d'être ami avec votre commandant. Je sais, commandant, mais je ne veux pas passer pour une mauviette. De toute façon, mes vieux démons ne me font plus peur. Ok. Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis. Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant. On reparlera. Commandant ? Ok, calme-toi. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir ? Vous vendez quoi ? J'ai tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation ? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licences, pas de matériel. Et pas de matériel. Montrez-moi ça. À vos ordres, commandant. Ok. Ils n'ont pas de licence. De précision, alors, on arrive dans les marques spéciales. Mais oui. Ça commence à devenir intéressant tout ça. Plus de précision, plus de capacité de tir et plus de dégâts. Le prix, par contre, c'est plus aussi 300 000. Ah ouais. J'imagine que pour le pistolet. Ouais, y'a pas photo. Je peux encore en acheter un. Vitesso. Je pourrais pas acheter. Celui-là. L'armure médium. Je vais me lancer dans la vie. Ok, équipement. Ah bah, on va changer un petit peu, hein. Oui. Ah, 3 bottes en plus. Ah oui, j'ai tout vendu. Évidemment. Oh, putain, je vais en relooter, hein. Ça, y a pas d'inquiétude là-dessus. Pas d'inquiétude là-dessus. Du coup, j'ai changé mon fusil d'assaut. Faut que je change le Garus. Ils sont là les casiers. Yara, Tali, Vrex, Garus. Mon snipe. Tu vas prendre le mien. Tu peux pas prendre le mien. Hein? C'était quoi mon snipe? Ah, je pensais que j'en avais un gros en fait. C'était le... Ok. C'était l'armure que j'avais acheté, que j'avais mis du temps à acheter. Ok, donc finalement, j'ai déjà redonné le même niveau. Ok. Commandant ?
Comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes? Oh, comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits, quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. J'imagine, oui. D'un autre côté, il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de sa reine. Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir Spectre il y a quelques années, pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez Spectre? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les Spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Je suis mal placé pour lui donner tort. Vraiment? Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Ce n'est pas parce que je peux contourner la loi que je vais le faire. Je ne vais pas m'abaisser au niveau de sa reine pour l'arrêter, et j'espère que vous non plus, Garrus. Oui, d'accord, mais... Bon, je dois y réfléchir. Merci, commandant. Nyeh. Ravi de vous revoir, commandant. Alors, sa reine est en fuite. Ce sera bientôt fini. Sa reine n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais? Il est pourri jusqu'à la moelle, mais non, oui. Mais pas dans ce sens-là. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. J'ai quand même envie d'entendre l'histoire. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que sa reine recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement, quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que sa reine faisait sur ce vaisseau? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. Deux mercenaires l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. J'ai même pas attendu la paye. Qu'est-ce qu'il transportait? Que voulait sa reine? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. S'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. À qui appartenait le vaisseau? C'était un vaisseau de commerce, Volus. Un gros, rempli de gardes. Mais il n'était pas de taille contre nous. C'est la seule fois que vous l'avez vu? Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts, sans exception. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde. Ouais. Je crois que j'ai déjà fait cette discussion. Alors on part. On se loue oui. Au plus offrir. Appelle tard, Rex. Shepard. Commandant, vous avez une minute à m'accorder? Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Ils ne servent peut-être pas l'Alliance, artilleur, mais ce sont nos alliés. Du moins face à sa reine. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant.
Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Vous ne faites pas confiance à nos alliés. Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seuls. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Vous avez une vision bien pessimiste de l'univers, Williams. Le pessimisme, c'est du réalisme vu par les optimistes. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du Conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Vous embrasseriez n'importe qui, si je vous l'ordonnais? Ça dépend, chef. Si vous me donniez l'ordre d'embrasser un officier supérieur, ce serait une violation des règles militaires qui interdisent les relations personnelles. Votre ordre serait alors invalide, je serais tenu de refuser et de vous démettre de vos fonctions. Chef. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Au sujet des Rachnis, vous voulez dire? Ils étaient dangereux, commandant. Ils l'ont prouvé il y a 2000 ans. Je pense que c'était une erreur de les laisser s'enfuir. Mais c'était à vous d'en décider, pas à moi. Vous savez, vous devriez vraiment parler à Tsuni au sujet de sa mère. Elle doit se sentir mal. À vous de voir, commandant. On en reparlera. Avec grand plaisir, chef. Déjà parlé avec elle. Commandant, comment allez-vous? Et du coup, il nous reste... Tali. Je peux vous aider, commandant? Ce sera tout, à vos ordres, commandant. Ah, bonjour, Shepard. Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Le silence vous empêche de dormir? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si... vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Je dois y aller. À plus tard. Ok, et bah le tour est fait. Pourquoi j'ai un point? Bon, c'est juste pour me dire que... Ok, j'ai les casiers ici. Bon. Du coup, on va repartir vers... Féroce. Ah, ça met le jeu en pause quand je... Ok. Thank you.
Eros, ici, c'est Attic Beta. Alors, est-ce que j'ai déjà visité ? Attic Beta, Attic Beta... Ah non, jamais. Ah oui, c'est vrai que je décolle de Noveria. Réception d'un message, je transfère. Normandie, ici PC Alliance. Nous détectons votre présence dans le secteur Attic Beta. Ah bon ? Un de nos drones de surveillance a été abattu alors qu'il recueillait des informations sur les activités des guettes dans la région. Nous vous demandons de vous rendre sur cette planète afin de récupérer le module de données du drone avant les guettes. Ok. Un médaillon. Non. Je vais atterrir sur là. Métal lourd. Voilà. Bah comme d'habitude, hein, Garus, c'est vrai que ça. Première planète de l'ardoyant que je atterris. Débris en face, sonde abattue et anomalie. Ah, non, c'est pas l'anomalie. Ah, il y a un speed. C'est dans le creux ou c'est Ah non, c'est de l'autre côté. Waouh. En face de moi, c'est un peu plus bas. Je pense que c'est compliqué. C'est vachement pompé. Je vois ce qu'on a fait. Tant que je sais qu'il y a un speed, c'est plus simple. Ah, je trouve des trucs. Bonjour. C'est pas fait pour voiture. Vous ne pouvez pas sortir de le carré sur un terrain nivelé. Je vois pas où est le problème. Récupérer l'artefact, ok. De l'expérience et... Oula. En examinant cet étrange artefact protéen, vous apercevez une petite fente irrégulière sur la face inférieure. Sous le coup d'une inspiration,
Vous sortez l'objet étrange que vous a offert la favorite Asari, ok, à la citadelle, et l'introduisez dans l'ouverture. La sphère explose avec un flash de lumière qui vous laisse totalement aveugle et désorienté. Émergeant d'un profond sommeil, vous regagnez un peu à peu l'usage de vos sens. Vous êtes seul dans la forêt, non loin des grottes que vous avez partagées avec le reste de la tribu. Votre nuque vous élance. En passant la main dessus, vous sentez une petite bosse, comme si l'on y avait inséré de force un petit fragment de silex. Vous vous appuyez sur votre lance en os pour vous mettre debout. Un bruit vous fait lever la tête. Immobile au-dessus de vous flotte une étrange créature, bien différente des oiseaux que vous avez chassés au bord du lac. Comment vole-t-elle ? Elle n'a ni tête, ni aile. Cette bête d'argent flamboyante, monolithique, figée dans le ciel tel un nuage. Vous la sentez qui vous épie, qui vous étudie. D'un poing poilu, vous brandissez votre lance en guise de menace. La créature prend alors son essor jusqu'à disparaître de votre point de vue. Avec un grognement de satisfaction, vous reprenez le chemin de votre tribu. Vous retombez bien vite dans la routine d'une vie quotidienne rythmée par la conquête de nourriture, de partenaires sexuels et de territoires. Les jours se succèdent pareils l'un à l'autre. Chaque matin, à votre réveil, vous sentez comme une présence, comme si un autre était en vous et partageait l'usage de vos sens. Bah ici, je sais pas. Invariablement, vous passez alors la main sur l'étrange bosse qui orne votre nuque et repensez à cette créature d'argent dans le ciel. Le vent se fait plus froid. Voici venir l'hiver. Vous devez marcher plus loin, emmitouflé dans votre peau de bête, pour trouver des proies. C'est au cours d'une de ces longues marches que l'étrange oiseau se manifeste à nouveau. D'abord par son cri, un grondement assourdissant, comme un présage de son arrivée. Sa panse s'entr'ouvre pour laisser apparaître une orbite unique, gigantesque, rougeoyante. Vous tentez de prendre la fuite, mais l'orbite jaillit. Un doigt de lumière pourpre qui vous étreint, puis à nouveau le néant. Vous reprenez conscience peu après, allongé sur le sol d'Eletania, sous le regard de vos compagnons et de l'artefact protéin intact. Il y a eu un grand éclair et vous vous êtes écroulé sous le sol, explique-t-on. Ah là, je suis revenu sur Shepard. Vous sentez bien, Shepard ? Vous demande l'autre, à l'air inquiet. Bon, ce gars, excuse-moi ça. Avant de répondre, vous prenez un instant pour songer aux implications de votre vision. Les souvenirs d'un chasseur Homo sapiens capturé par un implant enregistreur protéin. Combien de temps ont-ils passé à étudier nos ancêtres, à les observer, à analyser leurs données depuis leur base martienne ? S'il y avait un truc protéin sur la base martienne, c'est qu'ils étaient dans le coin. Quel enseignement ont-ils pu en tirer ? Tout va bien. Faites-vous finalement. Il semble peu probable que vous ayez jamais la réponse à cette question. Peu importe. Ok, un autre artefact protéan. Bon, on va aller chercher le débris. Hein. Mais du coup, il fallait l'objet de la Sari. La favorite de Sari. Donc si j'avais pas fait la quête, alors je sais ce que c'est une quête obligatoire. Non, que je le trompe. Mais effectivement, si c'est une quête secondaire, si j'avais pas fait la quête, peut-être que j'aurais pas pu accéder à cet artefact protéin. Ouais, c'était une quête secondaire parce qu'elle m'avait demandé d'aller dans le bar de la citadelle. Pour aller voir le général Curien qui était du Malden. Tout ça parce qu'elle avait refusé d'être comme ça.